d'énormes changements dans cette connerie. Wesh, what's up les gens? Fin du DLC. Silver, le retour de Silver Sable. Silver Sable. Mary Jane Et puis Watson, voilà. rédactrice adjointe. Au début Non! des notes de recherche, Casse-toi, ce toi! n'était au départ qu'un cambriolage de musée a tourné à l'assaut armé sur la ville. Le bilan s'alourdit sans cesse. Hier, après avoir voulu exécuter le don de la Magia Hammerhead, le capitaine Yori Watanabe a été mis à pied. Elle aurait déclaré au chef de la police que ça ne l'arrêterait pas. Note, y revenir plus tard. C'est sûrement loin d'être terminé. Pendant ce temps, Hammerhead, dont le décès avait été prononcé, a été ranimé et a pu s'évader. La police le recherche, mais n'a aucune piste sérieuse. Les hommes du baron du crime cherchent à se procurer des armes et des véhicules de sable, ainsi que le mystérieux projet Olympus. D'après ce que l'on sait, Olympus est un projet conjoint d'Oscorp et de sable, qui porterait sur une technologie de bioamélioration visant à créer des super soldats indestructibles. Hammerhead est un fou dangereux qui pourrait bien aussi être devenu invincible. Mais commençons par le début. Découvrons où Hammerhead se cache. La question c'est, qu'est-ce qu'on va faire quand on l'aura trouvé? On le bute! MJ, La vie les gens avec la police derrière Metaline les balle, wesh. Encore les hommes d'Hammerhead. Est-ce que t'as des nouvelles de Yori? Pas encore. Elle te manque, on dirait. Ouais. On formait une bonne équipe. Enfin... pas comme toi et moi, mais... Non, ouais, moi je préfère Yuri Watanabe, mon pote. J'ai une source chez Oscorp. Ils ont accéléré la production liée au projet Olympus. C'est sans doute pour ça que les hommes d'Hammerhead attaquent l'usine. Le contrat d'Olympus est destiné à Sable International. Il fait partie d'un accord passé avec Osborn pendant l'incident du souffle du diable. Et je viens d'apprendre qu'il est censé être exporté. Destination, la Simkari. La Simkari, c'est de là que vient Silver Sable. Et c'est aussi le théâtre d'une guerre civile de plus en plus meurtrière. T'en as pas entendu parler? Non, je suis un peu à la bourre sur les infos internationales. J'ai été pas mal occupé avec notre petite garnison. C'est une histoire de dingue. Je te raconterai quand on aura un peu plus de temps. Ouais? Ça serait pas mal de parler d'autre chose que d'Hammerhead pour changer. Ça te dirait de prendre un peu de vacances quand tout sera terminé? Des vacances? Je sais même pas ce que ça veut dire. Ah, MDR. Et ça, c'est le prélogue... Mais sérieusement, on en a... C'est le prélogue Spider-Man 2, du coup. Ok. Tiens-moi au courant de ce qui se passe à l'usine d'Oscorp. Ça marche. Elle a dit vacances. On va la soulever. J'espère la soulever et faire qu'on la largue. La vie. La vie, j'ai envie de la larguer. Wesh, il lui arrive quoi à lui? Déjà qu'ils étaient chiants les gros colosses, mais alors si lui aussi il a ça, gros, ça va être chiant. Je sais pas, viser la tête. Bah alors? C'est une battle de danse? J'adore! Allez, à moi! Elles sont cool, vos armures, je dis pas! Mais j'aimais bien votre côté gangster des années 70. Ah, mais ils ont tous des armures! Bon, quoi? On peut même plus discuter! Sinon, vous êtes pas en dehors du boulot ou vous êtes simplement collègues? Moi, je crois que votre organisation a grandi trop vite! Je suis sûr que vous vous connaissez même pas. Il s'est auto-niqué ce truc de bol. Laissez-moi faire la présentation. Vinny, voici Vinny. Vinny, Vinny. Non, vous trouvez pas ça drôle? Ah, peut-être que ça vous fait pas rire parce que vous vous appelez vraiment tous Vinny. Let's go, ma gueule. Si c'est ça, toutes mes excuses, Vinny. Toi aussi, Vinny. Et tous les autres Vinny. Ouais, t'es drôle de temps en temps, mon pote. Mais sinon, arrête ça, genre. Frère, ils ont tous la méga armure, c'est aberrant ça. Moi aussi je veux ça. Hé hey, Spider-Man, on joue à attrape-poulet. Bah, tu vois, je regrette de pas être Miles Morales, gros. Là, chez Miles Morales, mon gars, je peux être invisible, je peux après les niquer. Coucou les filous, où est passé votre copain? Vous dites rien, hein? Ah, vous pouvez peut-être pas m'entendre à cause du bruit des jetpacks. Qu'est-ce que je dis? C'est bon, descendez-le. Super jetpack! Où vous les avez achetés? Laissez-moi deviner. Ils sont tombés du camion, c'est ça? Vous savez, au lieu de voler systématiquement votre matériel, vous pourriez essayer de le fabriquer? C'est beaucoup plus gratifiant. Parce que là, mec...
Et vous seriez peut-être pas aussi tendu. Là gros, je suis Max Morales du coup, comme je disais. Je mets des putains de dégâts de surcharge sur leur gueule. Électricité et tout le tralala, t'as capté. Je peux mettre invisible, j'ai une beaucoup plus grosse force que... Que Peter Parker de base. Mais bon, après, Peter Parker le rattrape, hein, mais sinon, en termes de puissance, au tout début, genre, il le surclasse 1000 fois, genre. Après, Peter évolue de masse. Tu t'amuses bien. Approche, si tu l'oses. Tu veux jouer à Cap ou pas Cap? Parce que je suis, Cap. Silver Sable! C'est à toi? Non! Mais franchement, j'aimerais bien. Ça va? Ouais, ça va. Stop, c'est notre brossure, gros. Elle va l'enculer, frère. Une balle dans le crâne. Eh ben ça faisait un bail. Pour qui tu bosses? Non. Il bosse pour Hammerhead. Il est où ce Hammerhead? Wow, wow. Eh, vous voulez pas plutôt qu'on aille discuter devant un café? Tranquillement. En fait, j'adore votre ange en volant. Dites-moi ce que vous savez. Non mais je suis timide quand on braque une arme sur moi. Vous avez 3 secondes. J'aime trop les Akimbo. D'abord vos armes. 1. Vous êtes sérieuse là? 2. 6. 9. 40, 12. 3. Ah, ça c'est mon gars. 42, c'est mon gars sûr. Oh, je suis le seul à dire 42. Et je suis là, j'ai les enfants. Ouais, c'est comme ça que ça se dit. Patati patata. Sable, vous avez l'air tendu. Tenez, faites comme moi. Inspirez, expirez. Inspirez. Dites-moi où trouver Hammerhead. J'aimerais bien le savoir. Si on arrêtait de se taper dessus, on pourrait peut-être le chercher ensemble. Ensemble? Jamais. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, vous avez écouté l'émission de Jameson, c'est ça? Ok. Vous êtes censé protéger cette ville. Pourtant, vous avez permis à Hammerhead de voler toutes mes armes et tous mes équipements. J'ai rien permis du tout. J'essaie de l'empêcher de voler vos affaires. Alors vous avez échoué, salement. Oh, ça c'est méchant. Mais c'est pas faux. Bon, elle me casse les couilles à un point. Si vous ne travaillez pas pour lui. Wow, alors là, ça devient vexant. Je ne vous connais pas. Ça se voit. Et je n'ai pas confiance en vous. Restez hors de mon chemin, ou vous en subirez les conséquences. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Je vais trouver et tuer Hammerhead. C'est ça, bonne chance. Il est pas si facile à tuer. Ça, c'est ce qu'on verra. Wouah, mais pourquoi elle a pu me taper, pas moi? Ah, de me la mettre, là. Ok, bon, Allez, hop. Oh gros, les pièges que je suis obligé de lui tendre et elle arrive quand même à s'en sortir. Et merde. Oh là là là, mais elle a dit... Je fais ce que j'ai à faire. Et je ne suis pas gentille. Ça c'est Silver, bref, bref, bref. Je sais pas, mais les gens qui ont les cheveux blancs, ils ont tellement trop de charisme. Dans les jeux, dans les animes, c'est un délire, genre. Je croyais que si j'évitais de mourir, on serait quitte. Scope Industry. Oh, j'ai pas envie de vous parler à vous. Ça sert à rien, la vie. À part Watanabe et Inspecteur Gordon, j'aime pas les policiers. MG, devine qui est de retour chez nous. Je sais, Silver Sable. Mais comment tu fais? C'est mon boulot, la pêche aux infos. Je suppose qu'elle est ici pour empêcher Hammerhead de voler tout son matériel. C'est plutôt une bonne chose. Vous pourriez vous associer? Ouais, pour l'instant, c'est pas gagné. Bon, en tout cas, je vais continuer à me renseigner sur la Simcari. C'est... Blablabla, on s'en fout de tout ça. Scrooble? Mais comment t'as... Vite, fonce à l'angle de la 8ème et Perlman avant que mes fans et moi, on meure d'ennui. Qu'est-ce qu'elle mijote? Elle a un nouveau débit de Scrooble. Je l'ai même pas fait, hein. J'y vais juste pour savoir histoire 2, mais si c'est pas dans l'histoire, basta. Hein. Ouh.
Ah, j'aurais pas le choix de le faire apparemment. Mais qui voilà ? C'est mon super-héros arachnide préféré, prêt pour la saison 3 ! Pas vraiment. Oh, mais arrête de faire la... Elle gagne toujours pas d'abonnés, hein, la pauvre. Si on est là, c'est pour divertir des millions. Après, vu le nombre de vues qu'elle fait, vu ces millions d'abonnés qu'elle a... Et d'avoir tellement de thunes, hein. Une fête, hein? Ouais, ce serait parfait pour l'arrêter et l'empêcher de nuire une bonne fois pour toutes. Mais d'ici là, je vais devoir jouer le jeu. Oh, je suis obligé, là? Oh, j'ai la flemme. No problemo! Hey, Spidey, devine qui s'éclate! La moitié des New Yorkais si tu trouves pas toutes les bombes. Oh, pas mal celle-ci. Faut vraiment que j'arrête son émission. Pas mal celle-ci. No joke. Pas mal. Les fans de Screwball sont en trouver les bombes, les amasser avant la fin du temps imparti. Utilise ici photogénie pour les faire gagner des points bonus. Ouais, obtenir un bonus en points en exécutant une photogénie au moment précis où la jauge est élevée. Bon, ça je sais. C'est bientôt l'heure de la photobombe. Bon, je sais pas, fouille, regarde partout. Ah, comment je casse ça? Comment je casse ça, genre? Comment je casse ça, genre? Ah, ok, d'accord. Merde, j'avais pas compris, mais j'ai compris. Désolé, mais c'est pas avec ce genre d'image que tu vas récolter des smileys contents. Bah les couilles. Des smileys contents de merde, là. J'avais pas capté au début que la bombe, elle était là. Trouver la dernière. Oh, cool! Cette photo m'a explosé la rétine. La dernière, c'est moi ou elle est mobile, genre? Je dois suivre ce camion. Mais ils sont malades, hein, ces poteaux, frère. Le mec, il est tout vert, il est tout bleu, pardon. On passe 4 secondes, wesh, what the fuck? Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. J'en ai rien à foutre, je le fais pas. Hey MJ, désolé pour la coupure. J'ai dû m'occuper de Screwball. Encore. Décidément, t'as un sacré succès auprès des femmes. Eh ouais, mon gars. Exigeante. Ah, à part toi, bien sûr. Tu me trouves pas exigeante? Et elle est exigeante, t'es chiante. Sauf si tu exiges que je te trouve exigeante. Oh, auquel cas, tu es super exigeante. Oh, il dégoûte. Oh, il dégoûte. Bien rattrapé. Merci. Allez, je continue à fouiner du côté d'Hammerhead. Je t'appellerai si je trouve quelque chose d'exigeant. Pendant ce temps, je vais me balader et faire mes trucs d'araignée. Ok, bon, le temps que ça se balade et qu'elle nous contacte, je vous mets en mini-pause. Ah bah, ça a été rapide. Ça pourrait être les gars d'Hammerhead. J'ai à peine mis pause que ça a recommencé. Badass cette photo, genre. La meilleure méthode pour voler vite, c'est... Si c'est sa toile, appuyer sur A instant. Qui nous permet de faire des sauts vraiment en ligne droite. Salut Peter, je viens aux nouvelles. T'es occupé? On peut dire ça. Comment se passent tes devoirs?
Mes devoirs de lycée ou mes devoirs de... d'araignée? Les deux. Mais le lycée passe avant le reste. J'ai fait tous mes devoirs pour le lycée, je passe sur mes devoirs d'araignée. Mais... pourquoi tu me fais faire des équations et des exercices de physique? Je devrais pas plutôt m'entraîner à lancer... Comment il est chiant. On se prend trop pour son chef, genre. Ou alors son daron, frère, on est dégain. Allez, ouvre. Parce que je sache, il a encore sa daronne, hein. Laissez-moi tranquille. Est-ce que t'as fait tes devoirs? Je dois arriver au conducteur avant eux. Ne fatigue pas, mon vieux. Ouvre une... Ah, mais j'ai les malfrats d'entrer dans le machin, ouais. Logique. Vous cherchez des bons plans high-tech? Bah, attendez les soldes. Comme tout le monde. Ils ont appelé des renforts. Non mais attends, ils sont où les autres? C'est bien parce qu'il y en a un, du coup il va se faire attraper. Vous savez que vous vous lasserez avant moi, hein? Dommage qu'ils peuvent pas prendre... Enfin, ils prennent les coups, ils peuvent se faire cancel de leurs potes, mais... mais dommage qu'ils peuvent pas mourir, genre. Voilà. Voilà. Bon, je me demande comment j'ouvre la porte avec là les mecs. Ah bah ils sont tombés. Mais c'est pas le même jeu. Bouclez le périmètre. Merci Spider-Man. Dors mon pote. Échappé belle. Ouais, ça la plaque d'égout s'il y a un filtre. Vous m'expliquez. MJ, quoi de neuf? Les hommes d'Amered attaquent un site de transport d'Oscorp près du port maritime. Bien sûr, j'y vais tout de suite. T'inquiète mon pote, ils vont pas bouger. On sait qu'Amered a volé la plupart des armes de sable et pas mal d'équipements au commissariat. Maintenant, ils volent la technologie sable destinée à la Simkari. Mais... le vautour, il a du swag, hein. Aucune idée. Mais si on le découvre, on pourra le priver de ses jouets. Je vais essayer de recouper les déplacements de ces hommes sur la carte. Voir si ça nous mène quelque part. Bien vu. Hey, je me suis renseigné sur la situation en Simkari. Le dictateur au pouvoir attaque son propre peuple. Apparemment, Silver Sable essaie à elle seule d'armer les rebelles et de riposter. Mais elle est débordée. Elle est trop forte, mon gars. Cameron lui a volé. Ça explique pourquoi elle est aussi énervée et désespérée. Ça doit jouer, mais... bon, elle est toujours plus ou moins énervée. Je te dirai ce que je trouve au site de transport. Let's go. Ça me termine, il parle en anglais et après il se met à parler français. Genre. Il est là! On se tire! Ok. Pas déjà? Je viens d'arriver! Et donc, vous avez l'air drôlement pressé? Mais je suis sûr que ça n'a rien à voir avec toute la marchandise volée que vous emportez. Le seul gros bémol, bon après il y en a plein d'autres bien évidemment. Mais c'est sympa ce qu'ils ont fait en mode ouais la course poursuite et tout le pralala et tout. Mais c'est un peu dommage que c'est répétitif, c'est toujours et toujours et toujours la même chose. Il faut que je rattrape l'autre camion. Et ça c'est le gros bémol mon pote. Bon, vous gagnez cette manche et vous remportez un aller simple pour Rikers. Bon, plus que deux. Mon gars, je me suis mangé le mur, genre, j'ai même pas fait exprès. C'est Sam qui le poursuit là, avec le camion? Mais non, elle est à son avion, elle. Elle va nous flinguer, gros, alors... Wouah ! Mais c'est une malade, frère !
elle va finir par tuer quelqu'un. Et on prend un raccourci. C'est quoi ce machin? Un jet? On s'en fout, il faut qu'on se barre d'ici. Non, pas dans le parc. Elle nous tire dessus. Non, sans blague. Accélère. Pardon, messieurs, dames, on ne fait que passer. Si vous vous étiez arrêté plus tôt, on n'aurait pas besoin d'avoir cette conversation. C'est quoi le passager en arrière là? Il me termine, voilà. Bon, après, même si tu vois, c'est répétitif là, tu vois, on voit l'avancement, la voix tirer et tout, ça c'est sympa. Je vais pas arrêter la voiture, j'espère. Putain de merde, de merde. Oh, sable, qu'est-ce que vous faites? Vous faites qu'aggraver les choses. Laissez-moi m'occuper d'eux. Ah. Ils ne doivent pas s'enfuir avec cet équipement. Oh, super, les renforts. Bah oui, mais en même temps, frère, j'ai pris le... Ah, fais chier ma vie. Super, les renforts. Vous devriez vraiment penser à un changement de carrière. Qu'est-ce que c'est que ce truc? À moins que vous trouviez que c'est un bon équilibre avec votre vie privée. Ouais, le problème, c'est que je dois arrêter aussi les voitures. J'en ai rien à foutre, mais no joke, j'en ai rien à foutre d'arrêter les voitures. Arrête la cinématique, c'est bon, frère. Voilà. Maintenant, arrêtez de voler des... Démolit tout le quartier d'affaires. Jameson va encore s'en donner à cœur joie après ça. Tommy, vite, envoie les drones. Bien reçu, c'est parti. Bah. Il a des drones maintenant. Il est plus moderne qu'on pourrait le croire. Ces drones s'attaquent à sable. Je l'aide ou pas? Allez, ouais. Faut que je speed là, je suis trop lent là. Aide! Attention, chute de drone! Envoyez-moi le drone! Abattez-moi ce jet! Bien reçu, j'envoie ce qu'il nous reste! En me posant sur son aile, je pourrais utiliser mes deux lance-toiles! J'y pensais, hein. Est-ce que c'est pas mieux que je me mette sur elle? Sable, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, j'essaie de vous aider là, ok? Fichez le camp! Avec joie! Dès que j'aurai fini d'éliminer ces drones! Hé, Sable, le ciel est dégagé! Sable, arrêtez de tirer partout! Eh, ça doit être comme ça qu'on dit merci. Bon, maintenant, le dernier camion. Moi je l'ai devancé. Wouh! Oscorp. Elle va nous flinguer, frère. Et les gens ils continuent à habiter ici. Ça me termine, frère. Bon, après, ça sera un kiff. Tu te dis, waouh, j'espère me faire sauver par Spider-Man. Que je pense que l'être humain il serait grave bizarre, genre. Imaginons que genre il y a un super héros à la Iron Man, Captain America, genre Steel Avengers qui est ici dans le vrai monde, tu vois. T'aimerais tôt que tu sois en danger et qu'il vienne te sauver la vie, c'est vrai. Où est Hammerhead? Si je parle, je suis mort. Et une fois qu'il t'a sauvé une seule fois, gros, que t'as pris un selfie, tu te casses, tu déménages. Écoutez, on cherche la même chose. Si on travaille ensemble, on l'aura. Croyez-moi. Elle, c'est une bâtarde. Elle peut remonter ses manches et ça descend. D'accord. Jamais. Moi, ça fait que de descendre. On travaille ensemble. Partenaire. Elle aime une clé de bras. Oh, je rigole. Ok, j'ai eu peur. Hop. Ouais. Trop forte, trop forte. Donc, on s'appelle? Elle nous a niqué. Bon, soit elle sait pas communiquer, soit c'est un robot. Après, je prends un truc électrique, mec, je suis baisé. Hein. Appel à toutes les unités, on a une attaque en cours. C'est pas le genre de bruit qu'on aime. Mieux vaut jeter un œil. Par ici. Wouh! Je pense que le swimming de... Comment ça s'appelle? De Miles, il va être tellement plus kiffant. Parce que lui, il est en mode vraiment, il chill, il flex H24, genre. Attaque un chargement de matériel appartenant à Sable. Incident en cours dans le secteur de Two Bridges. Miles, je suis là.
fais que de le couper, le pauvre. Fais que de le couper, le pauvre. Pas très juste ce combat. Je vais équilibrer les forces. Bon, j'ai équilibré les forces. Par contre, j'ai gaspillé un gadget. Bye. Contouré et tout, petite coupe. Ouh, 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 ouh. Hey, vous voudriez pas m'apprendre à faire ça? J'aimerais vous dire que c'est tout un art. Mais en vrai, j'essaie d'éviter les balles, c'est tout. Eh ben, je vous dois une fière chandelle. Ouh, 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 ouh. Et vous savez ce qu'il voulait? Il a ça, fait la petite coupe et tout. C'est de l'aide humanitaire destinée à la Simkari. Vous êtes au courant des émeutes là-bas? Eh bien, on parle plutôt d'une guerre civile. En effet. Eh ben, ces brutes m'ont attaqué et m'ont presque tout volé. Où ont-ils emporté les caisses? Je l'ignore. J'ouvre l'œil et je vous préviens si j'ai quelque chose. Enchanté, vous êtes... David. David Obademi. Je te crois pas que je t'appelle David, mon pote. Spider-Man. Non, oubliez, ça... Ça sonnait mieux dans ma tête. C'est même pas marrant en plus. Gênant, gros. Salut MJ. Peter, fonce à Saw. J'ai une piste qu'il faudrait que tu explores. Une de mes sources en prison m'a dit que les hommes d'Hammerhead vont toujours à la même pizzeria. Tu peux peut-être les suivre et découvrir où sont les entrepôts d'Hammerhead. Les hommes d'Hammerhead vont toujours à la même pizzeria. Un jour, on puisse s'appeler et se raconter nos journées. Comme des gens normaux. Ok. Alors, chérie? C'était comment le bureau? Oh, merde! Avec Sable, on a arrêté les sales types. Oh, alors ça y est, vous travaillez ensemble? En théorie. Vous devez trouver un moyen de vous entendre. Hammerhead est trop puissant pour que vous puissiez l'arrêter séparément. Ben parle bien, ouais, je l'ai stoppé tout seul. Il dit qu'il se sert du projet Olympus pour s'améliorer encore plus. Encore plus? C'était déjà un tank sur pattes. C'est là que je veux en venir. Si vous ne l'arrêtez pas rapidement, il pourrait devenir invincible. Encore coupé Miles, le pauvre. Il y a trop de monde ici. Je pourrais jamais m'approcher dans cette tenue. Bacon topping. Zip. J'en suis sûr qu'il a même pas de fermeture éclair. J'ai l'air d'un New Yorkais normal. Et ce serait pas le truc qui a eu 3 étoiles dans le Bugle la semaine dernière? Ouais, me remercie alors que je suis pas Spider-Man. C'est la mienne ou la tienne? La mienne. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ok, dis-lui qu'on arrive. Eh, viens, faut qu'on fasse une course pour Tommy. Maintenant? Oh, on est presque arrivé là. Ouais, je sais, mais amène-toi. Une course à faire pour Tommy? C'est sûrement des hommes d'Hammerhead. Quoi, mon truc à l'HDR? Tu sais que l'HDR, c'est chelou, gros. Je... Merde, ils sont là. On récupère son ordi. Il a dû le laisser dans sa bagnole. T'es sérieux? Et pourquoi il va pas le chercher? Je... Comment ça s'appelle? Je vais te demander de faire un truc plus important. Il y a quelqu'un qui nous suit. Reste cool, Pete. Reste cool. Ah non, je crois pas. Et il est où le boss, d'ailleurs? J'en sais rien. Mais Tony doit le savoir. Ils sont proches, tous les deux. Pah, enfoiré de Tony. En vrai... La police, ça va. Boss. Ok, si tu le dis. Eh, hey, ce gamin, on l'a pas déjà vu quelque part? Oh, waouh! Une nouvelle vidéo de chat. Il faut absolument que je vois ça. Les jeunes, ils se ressemblent tous. C'est aussi lui qui a trouvé le plan pour choper cette garce de sable. Ouais, ça marchera jamais, son truc. Faut voir, il ne paraît pas si mal, son plan. Et si on la chope, on aura le reste de son matos. Alors, t'es du côté de Tony, toi, maintenant. Je vois le genre. Bon, faut que j'aille parler à Sal. Empêche les gens d'approcher pendant ce temps-là. Ouais, ouais, c'est ça. Pah. Enfoiré de Tony. Je suis pas assez prêt pour entendre ce qu'ils disent. Si je peux pas aller à côté, je peux peut-être aller au-dessus. Il faut pas qu'on me voie. Je peux pas escalader les murs devant tout le monde. Manger.
Salut mec. Personne me voit ici. Je peux grimper sur le toit. Si je me place au-dessus d'eux, je pourrai les écouter. Je dois atteindre cette ruelle. Elle est pas bonne celle-là? Le mec s'y voit déjà. Il est tout juste bon à me cirer les pompes. Ouais, et encore. Enfin bref, Tony m'a dit qu'il voulait son ordi. Doit y avoir des trucs importants dessus. Bah, c'est à ça que ça sert. On l'a garé en C3. Ok, C3. Si je trouve l'ordinateur de Tony, je saurai peut-être où se cache Hammerhead. Merci. Oh, au fait, je t'ai pas... C'était très intéressant, mais ça ira comme ça. Spider-Man, butez-le ! Balle. Quand j'aurai fini avec toi, faudra reprendre les murs. Bon sang, mais... Merde ! Ne laissez pas nous décimer davantage ! Ça t'apprendra le respect ! Wow ! Je crois que je les ai semés. Qui est là ? Je sais pas où y aller. Bon, il est où cet ordi ? Bien le bonjour, ordinateur. Non, c'est pas ça. Non. Salle a dit C3. Ah, je devais trouver un truc spécial. MDR. Il a dit C3. Donc là, techniquement, j'ai B, C, 1, 2, 3. Ici. Il avait dit en plus, bonjour ordinateur, je suis un baiser, moi. Voyons si j'arrive à le pirater. J'ai tout ouvri, genre, comme un bouffon. J'ai tout ouvri. Et bingo. On dirait qu'il a installé une appli pour localiser son téléphone. Dis-moi où tu te caches, Tony. Tony. Salut chérie, c'est comment au bureau ? Ah ! Beaucoup de boulot. Oh, il me dégoûte. Je suis pour mes recherches sur la SIM Carry. Je te retiens pas longtemps alors. Ton info était bonne. Je me dirige vers un des bras droits d'Hammerhead. Il sait probablement où se cache son patron. Génial. Un des types a aussi parlé d'un piège tendu à sable. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette bande de machos de la Magia se sent menacée par une femme forte et pleine d'assurance. Ok. Désolé Pete, faut pas m'en vouloir. C'est juste que je suis sur un planning tendu là. Ok, je comprends. A plus tard. Ok. Ok. Faut que j'y aille. Non, je ne sais pas quand elle arrivera. Tenez-vous prêt, c'est tout. Voilà, Tony. Je suis pas sûr que ça suffise. Double la sécurité. Élimine tous les ennemis. C'est ton job. Je devrais pas avoir à te le dire. Allez, passe ton tour. On cherche les plus gros que toi ! Écrasez-moi, je suis capable. Couché. Oh, je l'ai même pas vu. Spider-Man. La prochaine fois que tu vois Sable, dis-lui que mon boss aimerait bien lui parler. Je veux bien. Mais elle m'écoute pas vraiment. Elle écoute personne, en fait. Wow. Donne-moi l'adresse. Hein ? Mais d'où ? L'adresse ! Elle peut être invisible ! Bâtiment Colexco. Sur le toit. Ah.
Non, attendez, c'est sans doute un piège. Mais elle est tellement plus forte que Solo, gros, c'est un délire. La meuf est MVP, gros. Parce que je vais devoir suivre le véhicule. Bah, il va un peu trop vite, du coup, je vais pas pouvoir le suivre. Sable, vous foncez dans un piège. Peu importe, du moment qu'Amered est là-bas. Vous comprenez pas, j'essaie seulement de vous aider. Je peux me débrouiller toute seule. Oui, je sais. Mais Amered s'est servi de votre projet Olympus pour... Je sais. Alors vous savez qu'il s'est transformé en une sorte de... Frankenbot géant. Raison de plus pour l'arrêter. Mais pas comme ça. Frankenbot géant. En sautant dans son piège. Oh, Sable, qu'est-ce que vous faites? Je suis vraiment à la même distance qu'elle, mais vu qu'elle, elle est un peu plus bas. Oh la bâtard. Et... Oh, ça alors, un piège. Seulement, quelqu'un nous avait prévenu. Oh, je peux me débrouiller. J'ai presque envie de m'asseoir et d'admirer le spectacle, mais ce serait mesquin. Ils l'ont piégé avec sa technologie. Apparemment, tout le système est alimenté par ses générateurs. Ada, tout va bien, Sable? Ou Silver? Non, parce que j'ai un doute, là, tout à coup. Voilà. Bougez pas le temps que je m'occupe des autres. Hein, bougez pas. Assez. Taisez-vous. Vous savez, il est scientifiquement prouvé que parler de ses sentiments aide à réduire le stress et les sautes d'humeur. Mais bon, moi je dis ça, c'est vous qui voyez. Et voilà. Allez, fichons le camp d'ici. Non. Si on reste ici, alors Ed viendra à nous. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Bon, arrêtez de me fumer, s'il vous plaît. Je change de position. Continuez. Faites comme si j'étais pas là. On va te faire foutre, toi. Alors là, mon pote. Verrouillage de la cible. Verrouillage. Attention. Oh, l'esquive que je l'ai mis au mec. Merci. Ok. Ok, elle les a fumés. Bon, est-ce qu'on peut y aller maintenant? Yeah. Ah ouais, le gars c'est même plus un humain là. Il a même plus de corps, wesh. Voilà, voilà. Non, Spidey, non, Spidey. Il nous jette dans l'hélice, mon gars. Ouais, c'est trop prévisible. On se reverra en enfer. Et là, je mets sa tête dedans, je rigole. Oh!
Oh, le cri de détresse. Deux pour le prix d'un. C'est mon genre de chance. Bébé! Ouais, viens me sauver, moi! Yo! Et en plus, elle a envie! Let's go! Let's go! Et il veut prendre des vacances avec Mary Jane? Y'a pas un monde, mon gars! Y'a pas un monde! On a sauvé notre femme, du coup, elle nous sauve en retour. Ouh, sable! Ouh! Genre là, elle meurt pas de cette chute, là. Ah, il va l'enlever. Il faudra la récupérer, ok. Oh, le pédo. Oh, la petite musique juste pour elle. Tu pensais vraiment que j'étais morte? Non, jamais la vie. Comment tu m'as retrouvée? Eh ben, j'ai fait comme elle. Méfie-toi. Cette fille est complètement parano. T'inquiète, y'a que toi qu'on aime. Et depuis quand tu m'espionnes? Nous espionnes? Assez longtemps pour savoir que tu fais une erreur. Hammerhead est devenu trop puissant. Tu crois vraiment que j'ai le choix? Tiens. Attends, c'est un... Là-dedans, tu as tout ce qu'il faut savoir sur cet horrible... truc. Désolée pour tout ce que je t'ai fait. Maintenant, on est quitte. Non ! Viens, on va à la Lovotem. Viens avec moi au Lovotel. Sa tête. Elle n'est pas si solide que ça. Adieu, Félicia. Mais lui dis pas adieu! Voyons ce qu'on a là-dessus. Mais lui dis pas adieu! Tête de con, va! Terminer les repères Olympius à travers la ville pour gagner des jetons de base. En bas les couilles, frère. Je veux pas de jetons de base, mon gars. Pourquoi? Parce que moi, je veux finir ce jeu. Vous vous rendez compte que là, j'ai là les trucs à la crime. Après, pour compléter vraiment le jeu à 100%, t'as pas le choix genre de rester, genre, je dirais, une bonne trentaine, 40, voire une heure dans cette zone-là, en fait, pour compléter les crimes, parce que les crimes, ça arrive de temps en temps, les défis de Screwball, les trucs de verrouillage et plus les trucs en boucle. Donc voilà, vous voyez les trucs. Dites-vous que dans l'autre bail, que là, j'ai que 86%, gros, ça m'a fait chier de faire ça, en fait, en boucle. Notre femme! Elle nous a abandonnés, frère! Si Sable est emprisonné dans cette base, je parie que les autres contiennent les caisses d'aide humanitaire volées. Je devrais prévenir David. Allô? David? C'est David. Ah, c'est lui, Spider-Man. Putain. Oh, d'abord. Je crois que j'ai retrouvé la trace des fournitures humanitaires pour la Semcari. Ah, parfait. Est-ce que je peux avoir les coordonnées? Il y a juste un petit problème. Il se pourrait qu'elle soit gardée dans des repères fortifiés par une bande de fous furieux bioniques équipés d'armes futuristes et d'armures impénétrables. C'est un gros... petit problème. Je vais inspecter ces planques et je vous tiens au courant. Merci beaucoup, Spider-Man. Je vous suis très reconnaissant pour votre aide. Dites-moi le chip, maintenant. C'est le moment d'appeler MJ. Non ? Peter, est-ce que ça va ? Sur Internet, j'ai vu des photos de toi et d'Hammerhead avec Sable. Et Black Cat. D'habitude, elle porte malheur. Arrête ! Pourquoi tu parles d'elle ? J'étais sûre qu'elle était vivante. Qu'est-ce qu'elle faisait là ? Elle est venue me pomper. Et elle m'a aussi donné des infos sur les planques d'Hammerhead. Apparemment, il a stocké sous terre tout l'équipement volé à Sable. Hein ? Comment ça ? Ouais, c'est ce que je compte découvrir. En sauvant Sable, si elle est encore en vie. Peter, j'ai continué mes recherches sur la Simcari. C'est un truc énorme, et il nous faut quelqu'un sur place. Et mon boss est d'accord avec ça. Attends, tu t'en vas en Simcari ? Quand ? Ce soir. La situation évolue vite. Yes ! Et toi, vous arriverez à gérer Hammerhead. Vous avez pas besoin de moi. Yes, casse-toi. Pas besoin de toi, que moi, j'ai pas besoin de toi. Non, moi, j'ai pas besoin. Mais trop de pays ferment les yeux sur cette crise, y compris le nôtre. Ce peuple est sans défense, en pleine zone de guerre. Si je couvre les événements et que je les partage avec le reste du monde, ça peut changer la donne. Peut-être même sauver des vies. Tu comprends ? Un vrai discours héroïque.
Mais l'idée que tu partes dans un pays en guerre, ça m'inquiète. Mais casse-toi ! Bien sûr que oui. Alors tout ira bien. Je file faire ma valise. Je t'appelle demain dès que j'arrive. Non, ne vous appelle pas, frère. Je t'aime. Pas moi. Je t'aime aussi. Non. Elle me manque déjà. Espèce de canard. J'ai la haine. Bon, Miles, là, tu décides d'appeler ou je me casse? Je te laisse 10 secondes, Miles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salut Peter. Oh, l'enculé. T'as fini tes devoirs? Ouais, je comprends mieux pourquoi c'est si important. Mais, tu sais, j'ai vu des lance-toiles dans ton sac. C'est pour moi? Oui, mais quand tu seras prêt, pourquoi tu fouillais dans mon sac? Il était ouvert. Je les ai vus et... J'ai juste remarqué que la taille et la forme de l'embout sont les mêmes que les tiens. Et alors? Eh ben, selon la loi de Hooke, la force élastique est proportionnelle à la distance, toute chose égale par ailleurs. Mais toi et moi, on est différents. Wow, t'as raison. Quelques kilos suffisent à affecter la résistance à la traction, la consommation de fluide de toile. Et deux, trois autres trucs par ailleurs. Mais j'ai fait les calculs. Si on réduit le diamètre de l'embout de 0,7 mm, ça collera parfaitement. Je crois que je t'ai officiellement sous-estimé. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Apparemment, t'es plus que prêt pour une formation sur le terrain, dès que je me serai occupé d'Hammerhead. Ouais. Est-ce que je peux commencer à m'entraîner avec les lance-toiles? Non. Et si j'apprends que t'es ne serait-ce que sorti de chez toi, j'annule tout. Bon sang! T'es à la fois le super-héros le plus marrant et le moins marrant du monde. Merci, Miles. Dis-lui à cette petite pute. Comment je vais là, moi? L'entrée du repère doit se trouver tout... C'est sûrement sous terre. C'est parti pour un peu de spéléo urbaine. Oh, stylé. C'est nouveau, cette odeur. Oh, ça faisait longtemps. Je sable avant qu'elle succombe aux odeurs. Pour ceux qui ont... Si on sort sans mouiller, ce sera une belle victoire. Pour ceux qui ont joué à Spider-Man, je ne saurais pas le nom, je pourrais même pas vous le dire exactement. Mais il y a un Spider-Man où la première mission, on doit attraper le Shocker. Donc le mec qui... Vous vous souvenez avec les gants électriques, genre. Il a... Ouais, c'est trop cool. Comment ça s'appelle? Il se cachait ici. Et genre, il y avait des ennemis, etc. Tout le travail qu'il faut pour approvisionner cette ville. Je verrai plus jamais l'eau du robinet de la même façon. Ok, voyons où ça nous mène. On dirait qu'il y a des briques décellées plus loin. Cool. Allez, c'est parti. Les hommes d'Hammerhead, ils sont emparés d'une plateforme de métro abandonnée. Il faut que je les neutralise avant de pouvoir chercher Ouf. Ça. Bon, bah c'est parti. Va falloir faire vite. Là-haut. Oh, tu montes là? Wow, let's go. Oh là, je me suis téléporté pendant un petit moment là. Let's go. Avec la petite finition en plein sur notre visage. C'est le dernier. Bon, je suppose que si je suis ces câbles, j'arriverai là où ils retiennent sable. Je devrais suivre les câbles électriques. Mais ils mènent tous à cet endroit en fait, c'est un trou de balle ou quoi? J'espère que c'est pas un wagon porteur. Cool. Bon, suivons le câble jaune. En espérant qu'il me mène à autre chose. Le tunnel est bloqué. Mais je crois que je peux me faufiler.
Ah, en bas, let's go. Intéressant. Et ils sont Keblo, genre, ceux qui sont ici, hein. Ils ont jamais pu sortir de leur vie, du coup. Ah, ben. Là, ça devient glauque. Comment ça, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort dans le truc, comme les autres. C'était qui? Je me rappelle pas son nom. Un cousin de Sal, je crois. Ça. Là, Spider-Man, attrapez-le. Là-haut. Hé, je peux plus bouger. Ok. J'ai l'impression que c'est leur base d'opération principale. Faut que j'aille ici, mais je sais pas comment y accéder, mais bon, ok. Des jetpacks sable. Je paierais cher pour voir les hommes d'Hammerhead essayer de s'en servir. Il y a un plan là. Là, le plan. XRT 89, véhicule de déploiement de troupes souterrains. C'est ça le vrai nom? Oh, c'est nul. Je préfère Perforatank. Merci mon pote, Perforatank c'est mieux. Entièrement d'accord avec toi. Ok, là il y a un plan. Waouh. Si Hammerhead met la main là-dessus, ça va devenir très compliqué. Ils ont des bateaux et tout, wesh. Oh là là, sable. Cette flic a failli me tuer. Vous m'aviez dit que je serais indestructible. J'ai dit pratiquement indestructible. Par là qui? Cela dit, vous restez humain. Alors, rendez-moi moins humain. Je suis pas sûr de comprendre. Vous avez très bien compris. Allez, mettez-vous au travail. Donc il était comme ça, il est passé à ça. Ok. Je devrais jeter un coup d'œil, histoire d'en apprendre plus. Mais il y a ça, mais je peux pas regarder. Le projet Olympus. Okay. Les caissons demandent beaucoup. Je vous l'ai dit, j'ai participé à la fabrication de ces machines, mais je les ai pas conçues. Dans ce cas, on s'est trompé de gars. La bonne nouvelle, c'est qu'on tient notre premier cobaye. Non! Non! Faites pas ça, je vous en prie. Non, laissez-moi quelques minutes. Allez, genre, il l'a mis là-dedans. Là. Je vais arranger ça, d'accord? Vous voyez, on va finir par s'entendre. Oui, il est européen. Bah, j'ai tout regardé là. Non, il y a moi qui là. Vous êtes sûr que tous ces trucs appartiennent à Sable? Ouais. Mais le plus gros est hors du pays. Vous pensez à quoi, boss? Je pense à la facilité avec laquelle elle avait pris la ville en quelques jours. Au moment où il y avait le souffle du diable. Ouais, c'était dingue. Pas si dingue que ça, quand on a les bons outils. Bah, on a les machines qui creusent. Ça ne suffit pas. Si on veut ce qu'il y a de mieux, c'est elle qu'il nous faut. Ouais. Donc, comment on va faire? Suffit de continuer à prendre ces trucs. Elle viendra d'elle-même. C'est un robot, elle, en fait. Sable, elle est tout près. Là. Oh, il l'a. Oh, faut que je fasse attention aux mots que je dis, parce que... Non. Non! Non, il a fallu que j'ai un bug, genre là, maintenant!
Va te faire enculer. Je bug tout seul là et c'est moi genre. Sable, elle est tout près. Comment j'ai pu tomber là, genre dans le vide, genre. Des câbles électriques et des eaux usées. Y'a que moi qui trouve ça dangereux? Le gros point noir de ce repère souterrain, c'est qu'Hammerhead y a mis tout un tas de gardes armés. Et pas un seul contrôleur des risques. Tu sais que je me suis dit. Mais gros. Qu'est-ce qu'il lui fait à Sable là? Elle est tout près. J'irai pas plus loin sans faire de dégâts. Des câbles électriques et des eaux usées. Y'a que moi qui trouve ça dangereux? Le gros point noir de ce repère souterrain, c'est qu'Hammerhead y a mis tout un tas de gardes armés. Et pas un seul contrôleur des risques. Il a faim, Hammerhead, wesh. Wouh ! Pied bouche ! Mais attends, il voulait lui perforer l'épaule ? Ah ouais, bah évident, mon pote, il t'a perforé l'épaule droite et toi tu tapes avec, t'es con, hein. Vous êtes venu me sauver. Elle va nous taper la main. Ok, non, c'est une good girl. Pourquoi? J'ai besoin de vous. Je travaille seule. Ouais, je disais la même chose avant. Je sais ce qui se passe en Simkari, et je comprends pourquoi c'est important pour vous. Vous croyez savoir, mais vous ne savez rien. Il a laissé ses gains ici. Que faire pour gagner votre confiance? Écoutez, je crois savoir comment neutraliser ce monstre, mais j'y arriverai pas seul. Merde! Il l'a libéré! Ah ouais, carrément. Bon, voilà le plan. Je vais... Ça marche aussi. J'aime trop ça, Sable, gros. Taman choisit ton jour pour nous éverter. Il essaie de nous griller. On va dire qu'ils sont juste un peu plus résistants, genre. Le jeu qu'ils sont juste un peu plus résistants. J'aime bien qu'on soit du même côté, ça change? Battez-vous en silence. Faudra bosser vos répliques de combat, par contre. Là, j'ai battez-vous en silence. Vous avez vu ça? Je vais t'écrabouiller. Faites gaffe, il faut équipe, neutralisez-le. Hé, hey, Sable! Où vous avez appris à vous battre? Dans les rues de Simkari. Ah ouais? Moi, en regardant des films. On devrait échanger nos techniques? Mal, gamin. Il rigole pas, ce type. J'ai pété tes poumons. C'est pas fini, mon pote! Non, lâche-moi, attends. Hé, hey, Sable! On tue personne, ok? Toi, tu vas arrêter de tirer, la vie, tu me casses les couilles. Toi aussi, tu vas arrêter de tirer. J'ai chié à tirer tout le temps, là. Ouh! Let's go! Oh, les petites scènes comme ça, c'est stylé. Oula, fais c'est pas la gueule, mon pote. C'est trop classe! Top là! Vous disiez pouvoir battre Hammerhead. Vous m'avez mis un vent, là.
Mal Alpha, elle. La clé contient des dossiers médicaux. Ouais, notamment sur la plaque dans sa tête. Acier au carbone. Un métal résistant, sensible à... la chaleur. J'ai une idée. Je jure solennellement de faire tout ce que vous voudrez. Je vous rappelle. C'est une pute. Elle nous a mis deux fois avant, enfin. Mais, cool. Elle nous a tapé 5, j'ai même pas regardé. Merde. J'ai pas regardé, est-ce qu'elle nous a tapé 5? Putain. J'ai pas vu. Bon, fuck. Je vais faire une speeder patrouille en attendant l'appel de sable. Tu vas rien faire, mon pote. Qu'est-ce que c'est? Oh. Qu'est-ce que c'est que ces trucs jaunes? C'est la nouvelle tendance du street art? Un rapport de police? Apparemment, un homme a été tué au cours d'un braquage, mais rien n'a été volé. Qu'est-ce qu'il y a sur ce dictaphone? Alors, vous souffrez de stress lié au travail, hein? Vous avez frappé à la bonne porte, c'est ma spécialité. C'est ce qu'on m'a dit. Décrivez-moi plus précisément ce que vous ressentez. Eh ben en fait, je me mets pas mal de pression. Je veux toujours être le meilleur. Et en plus, mon patron est exigeant. Quel genre de travail faites-vous? Tout ce que je dis ici, ça reste entre nous, hein? Bien sûr. Tant mieux. Parce que si ça sort d'ici, vous êtes un homme mort. Sur le dossier, c'est écrit 1 sur 9. Il doit y en avoir d'autres disséminés dans la ville. Il y a des coordonnées GPS ici. J'adore les chasses au trésor. Trouver des enregistrements sur les scènes de crime. Que celle-là me mène à des coffres remplis d'or. Et ça donne quoi? Objet à collectionner. Bon, j'en ai à foutre. C'est pour le 100%, bien évidemment. Entre autres, je m'en branle. Pourquoi pas faire celui qui est juste là, là? Il est juste à côté, sinon... on bat les couilles total. La carte de visite de mon informateur mystère. Un autre rapport de police. Et un autre dictaphone. Ça me rappelle quelque chose. Je crois que c'est ici qu'un informateur de la Magia a disparu, il y a quelques mois. Ok. Je ne me sens pas très à l'aise. Nous devrions sans doute arrêter la séance. Désolé, Doc. Je voulais pas vous faire peur. Je suis juste un peu parano en ce moment. Je vous l'ai dit, boulot stressant. D'accord. Parlez-moi de votre travail. Décrivez-moi une journée type. Une journée type? Le matin, je me lève. Je regarde mes messages pour voir de qui je dois m'occuper. Je vais me chercher à bouffer. De qui je dois m'occuper? J'essaie le régime keto, vous connaissez? Ensuite, je fais le job. Des fois, ça gicle un peu, alors je rentre me changer. L'après-midi, j'essaie de faire du sport, et puis je rentre manger. Pardon, je vous interromps. Quand vous dites « de qui je dois m'occuper », qu'est-ce que ça signifie? Qui le boss me demande de buter. Je suis pas mauvais, d'ailleurs. Je me suis fait une petite réputation. J'ai l'impression que c'est un assassin de la Magia. J'ai l'impression que c'est qu'un morceau de l'histoire. Je devrais essayer de trouver d'autres scènes comme celle-là. Ok. Bref, les gens, je pense que je vais vous prendre au moment où... le truc recommence, hein. Parce que ça sert à rien que je... je fête dans les airs, ça vous fait... Salut Peter, je voulais juste te dire que je suis pas sorti de chez moi. Ravi de l'entendre. Il est sorti de chez lui. J'ai écouté la radio de la police. Il se passe des trucs sans arrêt dans toute la ville. C'est dingue. Ouais, impressionnant, hein. Comment tu fais? Je veux dire, tu peux pas être partout à la fois. Souviens-toi de ce que disait May. Sauver une personne, c'est sauver le monde. Ouais, mais j'ai jamais vraiment compris ce qu'elle voulait dire. Ok. Tu te souviens de la dame qui est venue au Fist avec ses deux enfants l'autre jour? Celle qui venait d'être expulsée? Ouais. Quand elle a retrouvé un boulot, juste avant d'emménager dans son nouvel appartement, elle m'a dit « Dès que je recevrai mon premier salaire, je donnerai ce que je pourrai à ce refuge. » On l'a aidée et maintenant elle veut aider les autres. C'est comme un multiplicateur de force. C'est ça. Mais était vraiment incroyable. C'était la meilleure. Je t'enverrai une adresse dès que j'aurai réglé tout ça. Alors tiens-toi prêt. Et pense à emporter ses lance-toiles. Enfin!
Ok, let's go. Retrouvez-moi ma base. Je voulais vous demander, comment vous pouvez avoir une base dans cette ville sans que je sois au courant? Toujours aussi sympa. Ok, c'est quoi le costume que j'ai eu? Armure d'Iron Aikman. Elle est dégueulasse. En fait, le problème, c'est que Spider, lui, c'est une personne qui... Enfin, Spider-Man, c'est un personnage très... très clean, très, très fin, ce qui fait que... Genre, les... tout ce qui est lourd et tout, armure lourde, c'est horrible. C'est pour ça que, genre, ce truc-là, malgré que c'est une armure, genre, qui lui protège de malade, hein, c'est... Enfin, c'est léger. Genre. Et ça, frère, c'est tout le contraire, mon gars. T'as l'impression qu'il est collé comme des verres. Bon, après, lui, c'est assez ample. Mais genre, t'as assez de l'armure au niveau des jambes et du torse, épaulière. T'as celle-ci, et du coup la tenue Iron Man avec les quatre bras, c'est tout pareil, tu vois. Elle est métallique et tout, mais elle te protège pas mal. T'avais quoi Celle-ci, elle a l'air un peu chelou, mais bon, voilà. Pourquoi elle me raccroche toujours au nez? Ouh! Elle a peut-être pas fait exprès. Peut-être que ça a coupé. Ah, si ça se trouve, elle attend que je la rappelle. Oula, tu veux la serrer, ouais, mon petit Peter, ou quoi? Elle a peut-être plus de crédit sur son forfait. Et pour elle, ça compte peut-être comme un appel à l'étranger. Parce que ça coûte une blinde. Mais de toute façon, cela ne nous regarde pas. Effectivement, mon petit Spidey. D'après le rasoir de Cam, l'explication la plus simple et la plus plausible, c'est qu'elle me déteste. Ouais. Ouais, la logique est souvent cruelle. Oh, pourquoi elle est au bord de l'eau, elle? Pourquoi il y a un terrain de machin ici, genre? Un terrain de ping-pong pile poil ici aussi. Mettons-nous au travail. Salut ma chérie! Somme de préférence, hein, Black Cat number 1, Silver number 2, même la clochard qu'on a vu au tout début. Allez, là, je la préfère de MNJ. Eh bah, elle est solo, ok. Wow. Les jouets sont beaucoup plus cool que les miens. Waouh. Pas si incroyable que ça, mais... C'est le coup de la forteresse flottante invisible. Mais maintenant qu'on la voit, Hammerhead va plus tarder à débarquer. J'espère bien. Ne perdons pas de temps. Incroyable. Je me suis procuré un canon laser de classe 5. Faut le calibrer pour éviter qu'il n'entre en surchauffe. Une chance pour vous, je suis justement expert en calibrage. Attention. C'est parti. Bon, par quoi on commence? Mettez le module du laser en place. Tout de suite. Oh, ce laser de fou. Dispositif fixé. Et voilà le travail. Vous tirez un robot, la vie. Ah. Il faut réinitialiser les bornes du champ de visée. Pas de problème. Je sais pas du tout de quoi on parle. Sortez du hangar et grimpez au sommet des émetteurs à proximité. No problemo. Il faudrait qu'on parle de notre stratégie pour Hammerhead, non? Il n'y a rien à dire. On le trouve, on braque le laser sur la plaque qu'il a dans le crâne, on fait chauffer l'acier au carbone jusqu'à ce que sa structure moléculaire se déforme. Et on la ramollit pour que je puisse l'assommer. Non, jusque-là, ça va. Mais vous êtes sûr qu'on va pas lui faire frire le cerveau, non? Oh bah là, qu'il est pas vivant. Il risque d'être tué par le berger. Tout à fait. Puis-je rappeler au berger qu'on s'est mis d'accord pour ne pas tuer? Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Le système semble fonctionnel. Il faut maintenant tester la visée et le niveau de puissance. Cool. Vous allez pas me tirer dessus, au moins? Pas cette fois. Mais il va falloir que vous lanciez ces cibles. D'accord. Ok. Prête? Prête. Largue les bombes! Dans le mille! Foule! Encore quelques-unes. Pas de problème. En voilà une autre. Joli tir. Elle a un bon petit laser. Hein. Hey, c'est la variante militaire du ball trap. Oh, on peut en faire encore une, s'il vous plaît. Vous êtes un vrai gamin. Ouais, bah on est tous des enfants au fond de nous. Elle a rigolé, hein. Wow. Entrez. Il nous reste une chose à faire. Ok, j'arrive. Il faut ajuster le stabilisateur de vol gyroscopique pour compenser le poids du laser. Accédez à ce terminal et attendez que j'active le système.
Système paré. J'y vais. Ok, ça devrait le faire. Fume-le! Vous faites équipe maintenant? Ah, le truc est en train de se fermer sans nous. Mais ça ne changera rien. Sable? J'aurais besoin d'un coup de main là! Le laser a lâché. Vous pouvez le réparer? J'essaie. Ok, je continue à distraire Hammerhead pendant ce temps. Ok, j'ai un compte à régler! Je tenais à te remercier voilà. de m'avoir montré ce qu'il me manquait depuis tout ce temps! Si je veux régner sur cette ville, je dois me moderniser, évoluer! Pas du genre à abandonner, okay. hein? C'est une qualité! Sable, vous en êtes où? Ah, il a des. Ok, il a des zones à taper. Vas-y, filme-lui la gueule! Maintenant, je peux l'approcher. Tu crois que tu me fais mal? Je ne sens plus aucune douleur. Oh, t'es plus mort, toi. Je vais t'achever! Ouh! J'ai eu! Mettez-le en place! Bon, je martèle la touche. Ok, là, je peux lui faire vraiment mal. Celle-là, c'est pour Yuri! Yuri! C'est pour Watanabe Yuri! Ah! Dégagez! Dégage toi aussi! Frappe-moi tant que tu voudras! Je suis indestructible! Tire mon bro! Tire mon bro! T'en prends dans la gueule! C'est un combat que t'as perdu d'avance! Bon, je dois être plus rapide que lui! Crève l'araignée! Voilà mon bro! Dans ta gueule! T'en prends pour ton gabarit, mon gars. Toujours pas de respect. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mourir. Tu sais ce que je respecte? Ceux qui savent s'avouer vaincus. Merde, je l'ai raté. Continue à tirer. La prochaine fois, on l'aura. Ok, j'ai un compte à régler. Wouah, va te faire enculer. Wouah, va te faire enculer. Wouah, va te faire enculer. Il faut pas qu'il touche. Ok. J'adore ton matos, Sable. Dommage que je doive m'en servir pour t'éliminer. Mais wesh. T'es doué, petit. Mais t'es pas de taille contre moi. Toi, t'es pas taille, mais wesh! Son bouclier est trop puissant! Je dois d'abord le neutraliser! Attention! Essaie d'éviter ça! Gardez vos distances, il ne doit pas. Tenez-vous prêts! Je vais crever! Oh, quelle passe! Ok, on passe au laser. Wouh, laser lui la gueule. J'avoue que c'est stylé. En vrai de vrai, c'est. Je dois faire vite avant qu'il les récupère. Un début de il me faut de la vie, frère. J'ai plus de life. Vous êtes pas mauvais. Je vais vous donner une chance. Rejoignez-moi ou mourrez. Je choisis la porte numéro 3. Je fais un autre passage. Tu ferais mieux de te barrer. Et on est... Beau travail. Frappez-le. Wesh.
Wesh. Ils sautent partout. Merde, faites attention. Le laissez pas vous toucher. Hé, je fais ce que je peux. Ramenez-le au sol. Je vais t'écraser, sale insecte. Non, mais... À couvert. Son bouclier est HS. Indestructible, hein. Je vais voir. Ok, let's go. J'ai mal au doigt, gros. Sur le clavier, ça me dérange pas de spammer la même touche, mais sur la... Oh my god. Sur la manette, gros, c'est horrible. Non, 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 t'as pas le droit. T'as pas le droit, la vie, t'as pas le droit. La vie, t'as pas le droit. Ok, les gadgets, c'est mort. Ok, j'ai un compte à régler. Allez, on écrase. Salut, gadget. Let's go, ma gueule. Dans ta gueule. Trou de balle. Tirez. J'y vais. Pas maintenant, allez. Wesh, 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 wesh. C'est trop dur! T'es fait exprès ou quoi? Soyez prêts à sauter! Oh! Vas-y, Silver Sable! Wouh! Bon, je suis à Argym, en vrai, voilà quoi. Faut qu'il y ait le sait, faut qu'il y ait le sait. Vas-y, fume-le! Jure, il est pas mort, putain. Voilà, c'est inquiétant. Ah, merci. Arrachez-lui le crâne, wesh. Ou jetez-le dans l'eau, jetez-le dans l'eau. Dites, vous êtes prise ce soir? Je connais une bonne pizzeria. Je dois rentrer en Simkari. Bien sûr, vous avez un combat à mener. Je n'aime pas me battre. Je le fais uniquement pour aider mon peuple. Oh. Je sais. C'est ce que font tous les héros. Je ne suis pas une héroïne. Mais vous m'avez appris des choses. Ah ouais? Comme quoi? Déstabiliser l'ennemi avec des blagues nulles? Alors, non, mes blagues sont hilarantes. Mais l'humour, c'est subjectif. Merci, Spider-Man. De rien, bébé. Merci pour tout. Même pas en rêve. Ouais, non, bien sûr. La vie que ça me fait mal. Dites, vous voulez bien me déposer en ville? Non, je sais nager, hein, mais mon costume va sentir le poisson pendant des mois, alors... Est-ce qu'on s'est accroché? Let's go. Mais il va se relever, là, en fait. Plot twist, le mec est encore en vie et du coup on va le voir dans Spider-Man 2. Oh, oh. Tu sais que je me suis dit, je l'ai même pas vu une seule fois, c'est des gros connards. Tu vois, je me suis dit, c'est des gros connards, ils l'ont même pas mis une seule fois, mais ils l'ont mis à la mémoire de Stan Lee qui nous a tous inspirés à repousser nos limites. Let's go mon Stan Lee. Je me suis quand même dit, mais non, ils vont mettre quand même Spider-Man, on voit même pas une seule fois Stan Lee. Et ils osent te strike la majorité de tes vidéos s'il y a une musique ou un bail du genre. Oh là là là, incroyable. No joke, ce DLC, il était bon. Il était bon. Un DLC sur la continuité, grave kiffant. Bon, bon, on a fini le jeu, hein, lourd. Adieu Spider-Man. Je te reverrai une prochaine fois pour voir ce beau gosse. Ça, c'est mon gars, ça. Par contre, tu me retires ce costume rouge. Les lance-toi, elles sont un peu serrées. Tu vas t'y faire. Il faut oser sauter. Allez, essaie de suivre. Est-ce que l'on joue? Pour le teaser, genre. On le voit voler et tout.
C'est tout. Un plus, un légal terminé. Let's go, vous avez terminé, la vie ne dort jamais. La saga est finie. Hammerhead a eu son compte. Johnny Cyborg, Spider-Man. Cyborg, Spider-Man, elle est dégueulasse. Hein. Ah, c'est celle-ci. Ouais, c'est pas ce que je me disais. Elle est moche. En plus, elle offre rien, genre, à part être laide. Bon, ben, on a débloqué toutes les tenues. Enfin, débloqué. On a toutes les tenues. On les a pas tous à 100%, mais on a la majorité. Celle-ci, je l'ai. Celle-ci, je l'ai. La seule que j'ai pas, c'est celle-ci. Il faut avoir tout en 100%. Et de toute façon, quand t'appuies, tout le monde est KO, même nous. Donc, c'est puant, c'est nul, c'est naze. Donc, voilà. Oui. Pas de repos pour les araignées. Oh! Oh, le plot twist de ouf. Vous voyez ça, là? C'est dans Homecoming, du coup. On le voit parce qu'on va chercher le vautour et tout. Trop stylé. T'sais, les détails, mon gars, qui sont importants de malade. Hein. Est-ce que le truc de Hammerhead, on peut le voir? Non, mais il y a des pas mal de détails. Hein. Il y a de bons détails. Là, c'est le pont. Sur lequel... non, parce qu'il y avait Raft. J'allais dire sur lequel il y a Far From Home, mais il n'y avait pas la prison de Raft juste à côté. Mais il y a un pont, on va dire, similaire. Il doit être quelque part, ça doit être lui ou lui là-bas et tout. Lourd. Bref. Chers auditeurs, il faut qu'on parle de cette mégalomane avec ses vidéos internet Screwball. Pour commencer, je n'apprécie pas de l'avoir assuré la promotion de Spider-Man, cet insecte narcissique. Mais comme si ça ne suffisait pas, son émission, même si c'est un bien grand mot, consiste à mettre en danger les travailleurs new-yorkais juste pour gagner des followers ou je ne sais quel charabia. N'importe qui, ayant un minimum de jugeote, verrait tout de suite que ces singeries ridicules ne sont qu'une tentative désespérée d'attirer l'attention. Alors, dites-vous bien qu'en regardant ces vidéos, vous vous faites du mal. Mais alors, Jonah, que pouvons-nous faire, me demandez-vous? Eh bien, écoutez mon émission. Avec moi, seule la vérité fait mal. Ah, bon sang, ça sonne super bien. Notez-la, Jared. On l'utilisera pour la prochaine campagne. Ok, bref. Comme j'ai dit, hein, sur ce genre, je vous invite à vous abonner, lâcher un big like, ça fait grave plaisir. On se donnera rendez-vous, comme je l'ai dit, pour la fin du Let's Play au tout début, et pas du DLC Spider-Man, sur du Dragon Ball Xenoverse 2. Je l'avais fait, mais il y a d'autres DLC que j'ai pu télécharger. Du coup, je vais recommencer le truc à zéro. Et vous le montrer, parce que moi je l'avais fait de mon côté. En parallèle, parce que ça sera pas que juste du Dragon Ball en boucle, mais il y aura aussi du Capcom versus Marvel. Que j'ai depuis quoi 4 ans. J'ai toujours pas lancé le jeu. C'est incroyable. Et puis je verrai pour la suite. Normalement, d'ici là, il y aura Gotham qui sortira. Il y aura voilà les jeux qui sortiront. J'aurai le temps de faire pas mal de trucs. Donc ça sera posé. Donc je vous dis à la prochaine. Normalement, Spider-Man, c'est fini. Sauf si le 2 sort bientôt. Enfin, Miles Morales sort bientôt, mais techniquement, non. Donc, je suis loin d'avoir le Miles Morales. Et puis, voilà, quoi. 1h23. Je vais vous arrêter pile poil à 1h24. Il reste quoi, 10 secondes. Donc, merci d'avoir suivi ça avec moi. Ça fait grave plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et salut.